Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur un petit outil que Nvidia nous propose pour changer les filtres à notre manière. Donc pour ceux qui ont Reshade, ça va vous parler, sauf que là c'est directement incorporé dans Nvidia. Donc là c'est une vidéo que j'ai téléchargée, que j'ai mis en superposition de ma voix car je n'arrivais pas à enregistrer mon écran. Donc en fait il s'agit de faire Alt F3 pendant votre jeu, donc n'importe quel jeu, hein, que ce soit Escape from Tarkov ou autre. Et ensuite vous aurez un menu où vous pouvez choisir ce que vous voulez pour régler un peu les filtres de votre jeu, de votre écran. Donc là après ça va être à vous de choisir selon votre façon de jouer, votre écran, vos yeux, si vous avez des maladies aux yeux comme moi par exemple, c'est très très important. Et comparé à Reshade, en fait il y a besoin d'installer quasiment rien du tout en fait, donc ça va pas manger vos FPS directement. C'est assez simple, hein. Il faut mettre juste à jour sa carte graphique Nvidia, bien installer GeForce Experience, et ensuite quand vous lancez votre jeu, Alt F3. Donc attention, ne pas faire Alt F4, sinon bien sûr vous connaissez la manip, hein, ça quitte le jeu. Donc c'est très intéressant parce que ça peut déjà vous stabiliser au niveau des FPS, contrairement à Reshade qui vous en pouffe. Et en plus de ça, bah, si vous avez comme moi des problèmes pour voir la nuit sur les jeux, tout ça, bah, là, c'est super bien adapté. Vous pouvez jouer au niveau des couleurs, vous mettre en noir et blanc. Pour ceux qui font des vidéos YouTube par exemple, vous pouvez faire une sorte d'effet vieux film, vous savez, avec des grains noirs, mettre en noir et blanc et tout. C'est assez intéressant, c'est super bien ce que nous propose Nvidia pour ce coup là. Et du coup ça s'appelle Nvidia Freestyle, donc si jamais cette vidéo ne vous suffit pas, bien sûr vous pouvez regarder sur internet etc. Mais en tout cas, enlevez Reshade, mettez ça, enfin mettez, c'est déjà inclus si vous avez une Nvidia. Hein. Si vous avez AMD, je sais pas si ça existe pareil, si vous avez plus d'informations, s'il vous plaît informez-moi dans les commentaires. Et du coup, voilà, je voulais juste vous en parler. Et puis passer un petit message aussi à tous ceux qui ont rejoint le Discord Baloku. On est à peu près maintenant une trentaine de joueurs constants à jouer. Je trouve ça super. On commence à avoir un groupe, on commence à tous se connaître. Et je trouve ça génial. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo sur ce Nvidia Freestyle, ce qui permet de changer des filtres. C'est très très simple à l'utilisation. Alt F3. Je vous laisse mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé dans la vidéo. Un petit pouce bleu, abonnez-vous bien sûr, partagez. Je vous laisse, à très bientôt. Bisous, banzai.